Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale. J'en ai marre de dire spéciale. C'est une vidéo donc où je vous montre mon look d'ado. Look d'ado égale décor d'ado. On se retrouve en fait dans ma chambre, chez mes parents. Donc ma chambre on l'a refaite à mes 15 ans. Donc ça fait, j'en ai 23, donc ça fait 8 ans que ma chambre est comme ça. Je vais vous présenter aujourd'hui mon look que j'avais lorsque j'avais 15 ans. Vous n'avez pas l'habitude de me voir avec les cheveux aussi ébouriffés, donc le look avec la coiffure, le maquillage et les vêtements. Donc c'est parti, let's go, et on retourne à mes 15 ans. À cette époque là je mettais du fond de teint, mais c'est un fond de teint spécial bouton d'acné, donc j'ai acheté ça en pharmacie. Donc en fait j'avais des boutons d'acné sur mon front et ça descendait tout là-haut, vous voyez, jusqu'au cou. C'était pas très très beau à voir. Donc le fond de teint que j'ai utilisé, il était trop foncé pour ma peau déjà. On me dit toujours, oh t'as une démarcation, t'as des démarcations là. Désolée maman, j'ai piqué ton maquillage, mais bon, c'est pour toutes les fois où tu m'as piqué quand j'étais à la maison. Donc c'est la crème prodigieuse de chez NUXE, c'est une des crèmes. Donc c'est parti. Alors je faisais vraiment des potées, je faisais tout à la main de toute façon. Donc ouais, effectivement. Elle est foncée. Hein. Ouais, c'était pas très uniforme, mais... Oh là là, oh, je suis toute marron là. J'intéresse bien de me démaquiller après. Ouais, vraiment trop foncé. Ouais, c'est vraiment, ça faisait ça, quoi. Ça faisait un teint orange bizarre. Donc, parfait, résultat, non, c'est pas un teint allé, mais... Sauf que on est en plein mois de novembre et il fait pas beau. Ensuite, j'aimais bien le rouge qui allait vers le violet. C'est un violet pailleté, donc là, c'est un vieux fard que j'ai de chez Agnès B. Que je chéris encore, Agnès B, vous me connaissez maintenant. Donc on va appliquer, je mettais sur la paupière, j'aimais bien que c'était bien rouge, bien intense. Donc je vais venir en appliquer sur toute ma paupière mobile, bien intensément. Hop, et j'aimais bien un peu dépasser là comme ça. Après je mettais beaucoup de colle noire ici au niveau de ma... mes cœurs inférieurs. On va venir en mettre tout de suite. Donc celui-là, c'est un col de chez Emma. Donc on va en mettre tout de suite au niveau de la muqueuse inférieure. Ouais, c'est exactement ça, franchement. Donc voilà, donc je mettais beaucoup de colle au niveau de ma muqueuse inférieure. Et après, attention, j'ai ma méthode. Je faisais pas de liner, j'utilisais pas de liner parce que j'y arrivais pas. Donc je réutilisais mon crayon colle. Mais je ne traçais pas de trait au niveau de mon cil supérieur. Je traçais juste la virgule. En fait, je suivais mon trait de colle. Mais au niveau de cet endroit là de mon œil, donc je faisais juste une virgule comme ça en fait. Ah non, j'ai oublié le geste, je faisais ça. C'est mieux avec les gestes. Et après bah, je mettais du mascara. Toujours celui-là chez Yves Rocher, le mascara Volume Elixir que j'utilise. Donc je fermais mon œil et je prenais ici et je balayais comme ça. Hop. Viens Pouka, c'est mon tout premier bébé, c'est Pouka. Interruption de Pouka, après Ellipsy Pouka. Donc voilà ce que j'ai expliqué. Je fermais mon œil et je remontais comme ça. Et ensuite, je faisais pareil de l'autre côté. Ça fait vraiment un pote d'araignée là. Ça fait dégueu. Voilà, et je faisais pareil de l'autre côté. Ça fait pâté. Je trouve que ça fait vraiment pâte d'araignée. Ça fait paquet. Donc voilà le résultat de mes yeux avec mon make-up quand j'avais 16 ans. Enfin 15-16 ans. Donc refaites pas les mêmes erreurs que moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà mon maquillage de l'époque. Donc en fait je porte... là ici vous voyez j'ai repris mes colliers d'avant, donc un collier qui est marqué Forever dessus, un autre où en fait j'avais mis plusieurs, donc Be Happy, une étoile et puis un origami éléphant, des bracelets, donc à cette époque ça démarrait tout juste avec mon copain, donc les deux bracelets qu'il m'avait offert tout début, un autre bracelet avec un cœur, ici un bracelet perle tout simple, noir bien sûr, et encore un ici de perles. Et donc je vais passer à la tenue, donc j'ai une chemise rouge, donc celle-là elle vient de chez Pull&Bear. Ensuite ici un débardeur gris, donc tout simple, qui vient de chez Bonprix.
mon jean slim. Il doit venir de chez Jennifer. La ceinture, je ne sais plus, mais c'est une ceinture cloutée. Et enfin, des Converse avec des lacets rouges, avec des petites étoiles. De Converse avec des motifs en carreaux. Donc ça rappelle ma chemise. C'est un style que j'aimais bien porter à cette époque-là. Enfin, j'étais un peu rock'n'roll, je suis toujours un petit peu, mais moins. Quand je me vois là, je me vois vraiment, j'ai pas changé quoi. Et il faut m'imaginer avec des cheveux un peu plus courts. Donc je faisais mon brushing. Donc tous les matins, je me mouillais les cheveux, je me mettais de la mousse. Je séchais mes cheveux comme ça. Donc le sèche-cheveux ici, hop, voilà. Et j'utilisais de la cire ensuite pour donner du volume. Donc celle-ci, c'est la cire L'Oréal Studio Line, indestructible. Donc je mettais au creux de ma main et je chauffais. Et hop, je venais ébouriffer pour diminuer le volume en arrière. Oh, c'est exactement ça. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, à aimer la vidéo si cela vous a plu. Et sur ce, je vais retourner à la vie normale. Et surtout, faites attention à vous. Bye.